Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur Christian Boussoy par rapport à ce plan. Et je voudrais féliciter la commissaire parce que j'ai vu hier votre stratégie sur l'Union européenne pour la santé et j'avoue qu'il y a beaucoup de points communs entre ce qu'on a travaillé sur ce quatrième programme d'action qui est UE for Health et vos propositions. Je me félicite qu'il y ait des points communs, notamment vous avez abordé le problème des stress tests. Or, vous savez que ça avait été une demande des Verts et je vous avais beaucoup interpellé là-dessus pour qu'on fasse un état des lieux et qu'on regarde en cas de crise sanitaire quel est l'état des systèmes de santé dans les différents pays. Comment on peut mieux harmoniser, comment on peut comparer différentes stratégies. C'est très important pour avoir après des réponses adaptées. En même temps, normalement, ce EU for Health doit améliorer la gestion des crises sanitaires, à rendre les médicaments et les produits de santé plus accessibles et améliorer l'accès aux soins. Donc, on a appris que le budget a été voté à la commission budget et je les en remercie. Et notamment, nous, les eurodéputés, avons veillé à poser certaines priorités à ce programme cadre, en particulier à travers le soutien et la mise en place d'établissements publics, privés, pharmaceutiques, sans but lucratif, pour produire des médicaments essentiels qui pouvaient manquer au niveau de l'Europe. Il s'agit de retrouver la souveraineté sanitaire. Et même à l'heure actuelle, au niveau de la crise, dans certains pays, il y a pénurie. Donc il est très important de le faire. On parle beaucoup aussi d'épidémie de cancer, de ces maladies chroniques. Et là, on est pour la création d'un institut européen de cancer qui aura notamment pour mission de faire la synthèse des registres nationaux existants et à venir et qui permettront de connaître précisément combien de cancers par pays, selon de quelle classe d'âge, quel sexe, quel type. Donc, l'axe de la prévention est essentiel et la meilleure thérapie contre le cancer, rappelons-le, est d'abord de ne pas en développer. Et l'Europe a une responsabilité sur les pollutions chimiques, sur les perturbateurs endocriniens, voire aussi les ondes électromagnétiques. Donc, je me réjouis de la complémentarité entre la stratégie de la Commission et ce rapport qui va définir le programme cadre.